trop. Ouais. Et si le putsch est stretché, alors automatiquement le son s'en sent délassé. Voilà, je perds au facile 4-5 dB à 4K sur les transitoires et certaines sibilants. Ouais, voilà. Mais avec une impédance de micro ou une impédance club, tu peux rattraper ce défaut de compression justement en jouant un peu sur la phase. Regarde, la puissance de ton là. Alors ça aille mieux. Hop, tu vois, tout de suite ça sonne. Et là voilà, ça c'est très sur les pads. Alors après, on peut travailler en multibande, c'est-à-dire appliquer des compressions qui soient par bande de fréquence. Alors, en général, c'est 4 bandes de fréquence. Bande fréquentielle, on peut dire. Un médium, un médium, aigu. Et on compresse avec des attaques et des releases différentes. Même en jouant sur les ratios et les seuils, on va en fait jouer sur toute l'équalisation du morceau et lui donner en fait une espèce de le maintenir en fait à tous les niveaux, dans toutes les bandes de fréquence pour que ça reste cohérent à l'écoute. Après sur n'importe quel type d'enceinte. C'est ça que tu parlais de. Ah voilà, je vais pour faire ça. Si tu veux t'admettre encore plus sur un autre analyseur de spectre, mais celui-ci qui fait faire des couleurs partout. Mais je veux dire, faut faire les choses bien si tu. Si tu fais ça, ça se paye cher vraiment de la story, donc faut que ça clignote bien partout. Il est là. Voilà un autre, il est bien classe aussi.